toujours encore à la recherche de lieux abandonnés, ça c'est clair. Bon, j'ai pas mon matériel, j'ai pas ma GoPro, c'était pas du tout prévu que je fasse petite expo au bunker. Oh non, bah oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a un trou. Non, c'est bon, il est pas profond. Ouais, Alix, c'est un sac d'enfant là par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Il y a des crottes et un sac, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gens mettent des... Regarde, il y a une espèce de théière là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que des gens squattent ici après. Hein. Il y a un balai. Ah. Oui, effectivement, là on est dans un... Il y a une table et des chaises, Alix. Ok. Il y a des vivres, donc on va bouger. Hein. Écoute, c'est parti. J'ai pas trop envie de laisser les vélos sans surveillance, ils sont en hauteur, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là. Allez, go, on va voir le prochain. Oh, tu sens ça? Ça sent la pluie à mort. On va rentrer sous la flotte. Ça fait plus d'une heure que je pédale. Je suis en fait allée sur les traces d'un endroit un peu connu en urbex et je suis tombée là-dessus qui n'était pas du tout prévu. Malheureusement, c'est un bâtiment qui est déjà repris par un chantier en construction, donc c'est interdit d'aller faire de l'urbex. Donc il y a déjà des travailleurs sur place et malheureusement, il est rempli d'amiante. Fait chier quoi. Voilà, permis de construire. Donc c'est mort. C'est vraiment très 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 dommage quoi. Là, c'est le genre d'endroit, c'est grand, il y a de la place. C'est tellement plus grand que dans les bunkers que je trouve. J'ai tellement envie d'y aller, c'est trop dommage, quoi. Désolée, la vidéo tremble, je suis à vélo. Alix! Non, mais ton vélo, il part en... Mais ton vélo, il part en cacahuète, là. Bon, les amis, je suis enfin arrivée là où je voulais aller. C'est une des adresses que j'ai acheté à des urbexeurs qui vendent leurs cartes. Et c'est pour la quatrième fois un spot urbex dead. Donc encore une fois une adresse que j'ai acheté et qui n'est plus valable quoi. On peut pas rentrer dedans, tout est cloisonné. De partout ça a été repris, il y a une serrure sur la porte. Enfin c'est mort de chez mort, il n'y a aucune entrée. Tout est cloisonné. Beaucoup de déplacements pour rien quoi. On en fait des kilomètres, moi je vous le dis. Putain, on en fait. Et encore une maison à l'abandon depuis très longtemps. Celle-ci, je la connaissais, mais elle était emmurée. Je crois qu'elle va être reprise, je sais pas. Mais en tout cas, encore une maison à l'abandon que je ne peux pas visiter en expo ou en enquête. Complètement fermée, donc... Je vous jure que c'est très frustrant de passer des heures à vélo à chercher des choses et de ne trouver que des endroits cloisonnés. C'est vraiment... Ah, ça a l'air tellement facile quand on regarde les vidéos des gens et je peux vous assurer que non. C'est vraiment des mois et des mois de recherche des fois pour trouver un truc bien quoi. Ça n'arrête pas. Ça fait vraiment... J'ai l'impression qu'on fait tous les jours... Et tous les jours, des heures et des heures de vélo. C'est bien, mais putain, on va trouver quoi un truc abandonné là, j'en peux plus. Et voilà, encore un bel endroit, vraiment magnifique, qu'on peut pas explorer. Tout a été bien sûr cloisonné. Comme vous le savez, on n'est pas des casseurs, on rentre que là où c'est ouvert. Mais je tombe que sur des magnifiques choses abandonnées que je ne peux pas explorer. C'est vraiment... C'est vraiment très frustrant. Qu'est-ce que ça... Ça donne trop envie de faire des belles photos ici. Oh, j'adore. Oh, les boules, quoi. Aucun accès. Là, j'ai trouvé un bunker. C'est la première fois que je vois ça. Il est fermé. Il y a des bancs en bois à l'intérieur. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'aimerais passer une nuit dans un grand endroit comme ça, abandonné, putain. Ah, c'est chaud. Allez, on a trouvé un petit truc, et ça c'est vraiment minuscule. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Ça a l'air juste dégueulasse, j'ai même pas envie d'entrer dedans. Non mais j'ai une nouvelle... Non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien à voir. Voilà, c'est un trou.
C'est juste un truc pour se protéger à l'époque et voilà, c'est tout. Ah, encore une sortie, une journée complète à fouiller pour vous faire des vidéos. Partout, dans les ruelles, sur les grandes routes, sur les chemins, et je n'ai rien trouvé. C'est beaucoup de recherche. Hein. Je vous jure que c'est dur. Il y en a un. Ouais, il y a un bunker, ouais. Bah voilà, on a trouvé un bunker. Ça fait un moment que je passais devant cette motte de terre là, entourée de petites forêts. Et je me disais, ils ont coupé tout autour, mais pas là. Bah c'est parce qu'il y a un bunker. Allez, c'est parti. Attends, je vais d'abord. Non mais tu risques de tomber vraiment. De façon, bah toi aussi. Je sais pas s'il y a des étapes. T'inquiète pas, Alix. Ça pue la pisse, hein. Bah, c'est ce que je te dis. Voilà, faut péter les branches pour passer. Ah. Wouh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Hop là. On va y arriver. Je perds ma GoPro, au secours. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture? Je sais pas du tout. C'est bon. Ah. Il y a une entrée. C'est parti. Ah, ça pue là-dedans. Ça sent fort, hein. Ça sent quoi? Je sais pas, la pisse. La pisse? Je sais pas. Ouais, il y a des bouteilles aussi ici. Pouah. Oh la bouche. Une table avec des crochets, c'est chelou ici. Ah. Ah. Regarde, tu t'es échappé. Quoi? C'est ouvert. C'est ouvert. Quoi? Combien? Oui. Ça pue. Ignoble. En rang spécial, hein. Ok. Ah, tout ici. Ah, elles sont par là, ouais. Parce que... T'es vraiment dégueulasse ici. Ah. Quelle horreur. Au secours. Ils se ressemblent tous, hein, donc quoi, c'est pas possible. Et tous ces hommes. C'est un squat. Oh putain. C'est quoi ce nombre de biens là? Bon bah voilà. Il fallait qu'on voit, on a vu, hein, écoute. Quoi? Allez. Voilà. Là vous voyez, on était là-dedans, quoi. Rien de spécial. Bah oui, c'est de l'autre côté. On a bien mérité une pause, bon, je me casse la gueule. Wouh! Miam miam! Bon, je vous fais voir un peu du paysage. Hein. Bon, on va se poser un petit peu là. La journée d'excursion. On n'ira pas plus loin, hein. On a fait énormément. Oh, j'en peux plus. C'est chaud. On va faire un petit peu de détection ici et puis voilà quoi. Tant pis, une journée en plus. Bon, on s'est posé là pour faire un petit peu de détection. Je sais pas si vous connaissez du coup, mais c'est plutôt cool comme activité. En vrai, on trouve pas énormément de choses. En général, on trouve beaucoup de balles. Mais là, on teste un nouvel endroit pour voir ce qu'on peut trouver. Du coup, on a fait une chaîne ensemble sur la détection. En gros, lui, il détecte. Moi, je fais le montage et on fait une sortie ensemble, quoi. On a trouvé... Attends, vas-y, fais la mise au point. Ouais.
On a trouvé deux trucs comme ça, je sais pas, c'est des boucles d'oreilles du coup, ici, enfuis au pied de cet arbre. C'est trop cool. Bah ça, ça va faire partie des shorts hein, qui sont sur la chaîne. Un petit trou et puis s'en vont. On est le long d'un fort, bien sûr, fermé, c'est logique. Donc voilà. Il faut rentrer maintenant. On a une heure pour rentrer, une heure et quelques de route, même plus. On n'a pas bu depuis des heures, il fait nuit. Ah. Amen. Je suis en train de me préparer pour aller à une pool party organisée par Strasbourg, mon amour. Ça va se passer aux bains municipaux de Strasbourg. Du coup, là, j'ai vraiment sorti l'attirail. Je protège mes cheveux au maximum pour ne pas les mettre dans l'eau dégueulasse dans la piscine qui va me les massacrer. Je suis vraiment habillée en mode soirée. J'ai sorti le bikini brillant. Ça va être la fête. Je voulais vous partager que ça me rend littéralement folle de monter ce trait d'horreur. C'est vraiment, en fait, ça a l'air facile, c'est une vidéo rapide, vous voyez les images, vous les voyez 5 secondes et tout. Mais moi, chaque image, des fois, je prends 20 minutes à les trouver, en fait. Pour trouver la bonne image qui va, et en plus, je dois chercher des images gratuites, qui sont libres de droits d'auteur, qui vont illustrer parfaitement ce qu'on m'a envoyé. Comment vous dire ? La vidéo, elle est pas longue, mais je vous montre juste vite fait ce que c'est. Un petit exemple de trait d'horreur. Tout ce qu'on doit passer, là-haut, c'est les vidéos superposition. Là, c'est le son. On n'a pas les effets, ni les filtres, ni les améliorations de vidéo en termes de netteté, en termes de température, ni les filtres et les animations à poser aux vidéos que moi, j'ai à poser en superposition sur ma vidéo. Ça fait toute la journée, une journée complète de travail, voilà, pour une vidéo de 10 minutes seulement. J'espère que ce trait d'horreur, il sera un petit peu plus vu que le dernier, qui n'a pas été beaucoup vu, je trouve. En même temps, le dernier, ça se voyait trop, que j'étais trop malade et tout, trop mal en point. Je regrette déjà d'être sortie. Il fait hyper, hyper froid. Mon Dieu. Je suis allée m'acheter cette pâte à tartiner. Elle est juste très, très bonne. Et franchement, je vous conseille d'acheter ce genre de produit plutôt que du Nutella ou des trucs vraiment hyper sucrés, quoi. Bon, il y a quand même un certain dosage de sucre qui fait que je ne vais pas acheter d'autres aliments avec un tel dosage de sucre. Mais tout de même, c'est exceptionnel. Et pour une pâte à tartiner, c'est vraiment un des meilleurs produits, je trouve. Il est 6h du matin, les amis. Il fait à peine jour, ça commence. Je suis au déjeuner. Et je suis en train de retravailler le témoignage d'une personne qui n'était pas hyper bien écrit pour un trait d'horreur, mais tout de même qui était très intéressant. Voilà. Je suis actuellement en train de vous tourner un trait d'horreur dans mon joli décor, j'adore. Et là, je prends le temps de faire un petit moment de vlog parce que je suis totalement freinée dans le tournage. J'ai une carte SD qui n'arrête pas de bugger, qui m'a jamais fait ça. Elle me dit qu'il y a une écriture de la carte lente. Je n'arrête pas d'avoir toute ma vidéo découpée en plusieurs petites séquences. Donc je suis en train... Et elle me dit carte pleine alors que j'ai pas du tout tourné pour 16 gigas, mais pas du tout. Du coup, je suis en train de copier les éléments. Bah là, j'ai pris mon petit hub et je suis en train de décharger ma carte SD. Voilà, ça charge sur l'iPad. J'attends. Donc là, vous voyez un petit peu l'envers du décor. J'ai mon petit micro ici. Mon Canon, mon iPad. Voilà, c'était juste pour vous raconter. Un bonheur. J'ai toujours des soucis de tournage, j'ai toujours des soucis... Voilà, fallait que je vous raconte. Ça peut jamais être simple. Voilà, j'en profite pendant ma petite pause, du coup, forcée. Bah, pour vous montrer un peu de plus près. Ce que vous voyez en fond flouté dans mes vidéos. Allez, on rééteint tout. Mais qu'est-ce que je mange pendant que je fais mon montage vidéo? Des bêtises. Donc là, je suis sur un trait d'horreur de 17 minutes.
Je vous montre juste ce que ça me demande en termes de placement audio, sachant que là, ça ne prend ni le texte, ni les animations, ni les effets, ni le fait de retoucher chaque image vidéo que je télécharge, que je cherche et que j'incorpore dans mon montage. On a autant la musique d'arrière-plan, les bruitages à chaque fois que j'incorpore quelque chose, les bruitages des textes, voilà. Et ça, c'est juste pour une première partie de vidéo de 7 minutes, je crois. Attendez, c'est pas fini, hein. Comme ça, vous comprendrez pourquoi j'ai le seum quand les vidéos sont pas trop vues, ça demande tellement de travail. Même pas 7 minutes de vidéo. Donc ça fait actuellement 5 heures que je suis sur ce montage pour 6 minutes 49 de vidéo et il me reste la moitié. Est-ce qu'on va pas se faire une soirée de pizza devant You? Si. Oui. On a tellement attendu cette nouvelle saison. Oui. C'est une raison de vivre. Oh là là, je sais pas si on voit la brume en vidéo. C'est hyper beau. Normalement, la vue sur l'église ce soir comme ça avec les petites lumières. Oh, j'aime trop. Ouh là là, les tapotades. Ouh là là, les petites tapotades de mon renard. Pendant que je fais le montage. Oh, mais comment on peut ne pas être perturbé là avec des trucs pareils. Oh, mais c'est trop mignon. Pourquoi tu tapotes tout? Et pourquoi il n'y a pas de plastique sur le sol? Oleg, Max t'a pourtant dit qu'on n'allait pas faire ce genre de film. Oui, je sais, mais c'est ce que disaient toutes les filles avec qui j'ai travaillé sur la princesse et la prostituée. Et aussi sur la... Vous n'avez pas besoin de faire un film porno de lesbienne pour gagner un peu d'argent. Vous êtes embauché pour une fête de la Saint-Douzin, il faut... Je viens de me faire une détox capillaire avec du lait de coco parce qu'en fait, je prévois de me faire du henné brun. Pendant que j'ai acheté mon henné, j'en ai profité pour prendre cette tisane. Elle est ultra bonne. Je vais manger ça avec une bonne petite tisane, le temps de laisser mes cheveux un petit peu au repos. Ça, c'est vraiment des choses que je vais venir utiliser dans mes routines, masques et shampoings. J'ai vraiment tout plein de trucs de chez Aromazone. J'adore vraiment, vraiment, vraiment ce magasin. J'ai extrêmement mal au dos aujourd'hui. Je rêve franchement d'un bain et d'un massage. Après-midi cheveux devant la revanche d'une blonde. Iconique. En cas d'attaque zombie, c'est là que j'aimerais me cacher. Attention, Joseph. Je rajoute de l'eau petit à petit. Vaut mieux en mettre pas assez. Mélanger, voir si c'est bien pâteux que trop. Parce que si c'est trop liquide, on doit mettre plus de poudre que de raisin. Donc voilà. Donc là, j'ai une dose idéale, mais je pense que je vais rajouter des petites choses dans ma préparation. Là, c'est bon, elle est bien lisse, elle est bien mélangée. Je recouvre avec un linge, vraiment, autant pour que les chats ne viennent pas toucher à ça, autant parce que j'avais lu qu'il fallait recouvrir. Bon, j'ai laissé poser quasiment 3 heures. J'ai vraiment un poids, j'ai les cheveux avec de la masse. J'ai mal au crâne, je veux juste un truc, c'est rincer. Bon, pour l'instant, ça a donné le brun que je voulais. Faut encore que je vérifie à la lumière du soleil parce que je pense que le blond n'est pas totalement recouvert. Je pense que je referai un truc dans 3 semaines. Voilà, j'ai séché, ça fait un bien fou en fait. C'est le gros dodo ça. Je suis en train de me faire un masque pour les cheveux que j'ai encore jamais essayé, mais la texture est absolument incroyable. Pour l'instant, j'ai mis de la poudre de Reta à incorporer dans les shampoings, les masques, du henné neutre bio pour les masques, et du lait d'amande pour pas faire ça avec de l'eau, pour avoir une texture plus crémeuse. Et apparemment le lait d'amande c'est aussi bon pour les cheveux. Après c'est pas du lait fait maison, mais ça doit pas être toxique non plus quoi. Je vais rajouter de l'huile de carapate. Pareil, c'est un truc vachement bon pour les cheveux. Ça j'ai trouvé à Aromazone, je suis trop contente. J'en voulais depuis un moment. À un moment j'utilisais la moutarde direct, mais c'est vrai que là de l'huile de moutarde c'est hyper pratique. Et la protéine de riz, pareil, si vous avez la flemme de faire cuire du riz et que c'est du riz blanc, etc. Surtout que moi je consomme pas beaucoup de riz blanc, je préfère le riz mélangé avec du riz noir, etc. Mais ça a moins de valeur pour les cheveux. Du coup, je trouve que c'est hyper cool d'avoir de la protéine de riz.
Qu'est-ce que ça va sentir bon? On dirait que je fais un plat chinois là. Pour l'odeur de moutarde, je vais mettre une pointe de lavande fine raffinée parce que là c'est pas possible. Oh, et puis tiens, j'ai rajouté ça avec. Oh, et puis de la poudre de gingembre aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont si mignons. Que font-ils dans l'Asie? Ils dorment profondément. Tout le temps. Tu dors bizarrement. Qu'est-ce que c'est que cet œil? Qu'est-ce que c'est que cet œil là? On dirait un possédé comme tu dors. C'est terrible.